Nous avons un message important. Plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales en France. Depuis le début du confinement, les violences au sein du couple ont augmenté. Beaucoup. Ces violences peuvent être des violences psychologiques, des violences physiques, des violences sexuelles. Peut-être que parmi ces 200 000 femmes, il y a une collègue, une sœur, une amie. Peut-être qu'il y a vous. Nous avons un message important. Nous vous croyons. Vous n'êtes pas seule. Vous n'y êtes pour rien. Ces violences sont interdites. Ces violences peuvent cesser. Le confinement n'autorise pas à insulter, à taper ou à imposer un rapport sexuel. Le confinement n'autorise pas les violences. Rien ne justifie les violences. Vous êtes victime de violences ? N'hésitez pas à appeler le 3919. Le numéro est anonyme et gratuit. Si vous êtes en situation d'urgence, le 17 est un numéro d'urgence que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Vous ne pouvez pas parler ? Prévenez la police par texto en envoyant un SMS au 114. Peut-être pouvez-vous sortir, aller à la pharmacie. Ils peuvent désormais appeler la police directement pour vous. En période de confinement, vous pouvez bénéficier d'une ordonnance de protection. Ce dispositif, signé par un juge aux affaires familiales, peut obliger votre conjoint à se confiner ailleurs. Vous pouvez télécharger l'application Appel, qui a été créée spécialement pour les femmes victimes. Vous voulez aider en restant chez vous ? Soyez à l'écoute. Vous entendez des cris chez vos voisins ? Appelez le 17. Vous pensez qu'un enfant est en danger ? Appelez le 119. Si vous voulez faire plus, partagez les messages d'information sur les réseaux sociaux. Collez une affiche de sensibilisation dans le hall de votre immeuble. Appelez les femmes de votre entourage pour vérifier qu'elles vont bien. Faites un don à la Fondation des femmes. Les violences ne sont pas une fatalité. Nous pouvons les faire cesser. Aidez-nous. Partagez ce message.